Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Je voulais vous dire que quand je dis que dans cette vidéo du Grand Sous des Verrandes sur FIFA 12 que je m'informe beaucoup, ce n'est pas du tout la vérité. C'est juste que je vous avais pas encore dit que j'étais chinois et j'étais dans l'anonymat. Enfin ouais non quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Aujourd'hui nous sommes ici sur FIFA pour tester une équipe chinoise, pas n'importe laquelle, le Guangzhou Evergrande, je ne sais pas si je la prononce bien. Nous allons jouer contre Orlando Pirates. Alors cette équipe, sa particularité, c'est qu'elle a un des meilleurs entraîneurs au monde, Marcello Lippi, et qu'elle a gagné la Coupe d'Asie, enfin non, pas la Coupe, la Champions League d'Asie, si je peux l'appeler comme ça. Voilà. Oh putain, désolé pour les insultes, mais il y en aura plein. J'ai bien foiré, je joue en pro comme d'hab. Habitude, comme vous voulez. Ah oui, en fait, je dois juste répondre à une question. C'est ma voix. Pourquoi j'ai une voix aussi grave? Oh putain! Mais putain! Ouf. C'est bon, désolé. Pourquoi j'ai une voix? Ouh, ça s'est freeze. Oh merde. Oh non. Non, c'est bon. Enfin, oui, ça a freezé pendant un long moment quand même. Ouh, ça c'est bon. Ma voix, on va dire que j'ai une voix aussi grave. Que Jordan, par exemple, vous lui avez rien dit. Genre, pourquoi t'as cette voix assez aiguë? Enfin, quand il fait la voix qu'il appelle écureuil. Pourquoi il a une voix aussi aiguë? Parce que c'est un concept, parce qu'il n'y a personne qui a fait ça, sauf que lui, il utilise plus souvent sa voix que moi. Oh putain. Tandis que moi, c'est un concept aussi, que j'utilise cette grosse voix. Assez grave, qui est truqué. Par exemple, Colonel Rayel, il est connu, et il a aussi truqué sa voix. Enfin, il l'a pas fait autant que moi, mais il l'a quand même fait. Et il est assez connu maintenant. Putain! Pardon pour les insultes. Ouais, alors c'était ça que je voulais juste répondre. Ah oui, aussi, pour le top 10. Le top 10 des jeux de Seconde Guerre mondiale. Alors, je voulais juste vous dire, arrêtez de mettre des commentaires du genre, en fait, il n'y en a eu qu'un seul, mais peut-être qu'un jour, il y en aura plus. Arrêtez de mettre des commentaires du genre, tes jeux sont pourris. Enfin, là, je lis littéralement ce qu'il a dit, le mec, que je ne citerai pas. Tes jeux sont pourris, sauf... quel jeu? J'ai déjà dit dans le top 10, c'est mon avis. Et puis, on n'a pas tous les mêmes avis, quoi. Par exemple, il y a quelqu'un qui aime le poulet. Oui. Et puis, moi, je n'aime pas le poulet. C'est un exemple, hein, seulement. Ouais. Donc, on pourra jamais être d'accord ensemble. Eh bien, c'est comme quelqu'un qui aime bien Michael Jordan, mais que moi, je ne l'aime pas. Go! Go, putain! Voilà. Goal de Muriki. Ouais, ouais. Ouais, aussi, c'est réputé pour avoir... non, là, je change de sujet juste rapidement. Le Guangzhou Evergrande est réputé pour... aussi, qui prennent des gens populaires, on va dire. Parce que pour la Chine, c'est assez populaire. Alors, genre, là, je suis sur FIFA 12. Je n'ai pas fait les mises à jour. Par contre, ils ont acheté Barrios, il me semble. Le joueur du Dortmund, ils l'ont acheté. Puis ensuite, là, il s'est barré au Spartak pendant la Champions League d'Asie. Ouais, pendant la Champions League d'Asie, en demi-finale, il me semble, ils s'est barré. Et puis, comme ils ont gagné la coupe, la demi, ils l'ont gagné facilement, haut la main, contre les Japonais.
les pires ennemis des Chinois, si vous ne le saviez pas. Ensuite, à la finale, ben, ils ont fait. Comme il y a les matchs aller. Ouh, ce que je lui mets. Oh, les matchs aller, les matchs retour. Ben. Ils ont fait 2-2 à l'extérieur et puis 1-1 à domicile. Donc, ils ont gagné comme ça. Enfin, ils sont champions. Donc, il y aura sûrement la Coupe du Monde des clubs. Je crois. Je sais pas si chaque année, en fait, j'en sais rien. Donc, ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs. S'il y a, bien sûr, je ne sais pas. Hein. Et ben, s'ils jouent, ils devront affronter les meilleures équipes du style Bayern. Mais je pense pas. Je pense qu'ils vont prendre ils vont se prendre des équipes les meilleures d'Afrique. Et puis, ils vont se faire éliminer direct. Ouais, c'est un peu triste quand même qu'ils se fassent éliminer direct. Mais bon, c'est un peu la vie, quoi. Ou bien ils vont perdre contre les meilleurs de l'Amérique du Sud aussi. C'est possible. Donc là, je m'en souviens même plus de quoi je parlais. Ah oui, des avis. Ben, on peut pas tous avoir le même avis. Comme l'exemple que je vous ai dit, on va dire. Avec le poulet par exemple. Je ne sais pas pourquoi le poulet en fait. C'était le premier truc qui m'est venu à l'esprit. C'est le poulet. Bon ben là je me suis un peu concentré quand même. Je ne m'amuserai pas à dire les noms des joueurs chinois. Puisque, ben voilà quoi, il y a quand même des noms assez bizarres. Enfin, non, pas bizarre. Enfin, je sens que je vais me faire descendre par tous les Chinois. Pas bizarre, mais assez compliqué à le dire. Donc voilà quoi. Attention. Oh, de la tête! Quand même, ils jouent bien. L'ordi, bien sûr. Moi, je joue pas très bien. Voilà. Est-ce qu'il va faire le centre? Non. Non! McCarthy à la 45e minute, numéro 17. C'est assez saoulant. Oh, ce que j'ai fait. Sans le vouloir, en plus. Oh, ce que je fais! Ah non, là je fais un peu de la merde. Parce que j'ai pas l'habitude de dribbler. Tiens, prends-toi ça! Voilà. On est au Tianhe Stadium. Je ne sais pas si je le prononce bien. Un but partout, 6 tirs partout. 4 tirs cadrés au 5. 48 à 52 de possession. 6 tacles à 4. Ouais. Zéro faute, zéro carton jaune, zéro carton rouge, zéro blessure, zéro hors-jeu. Ah, zéro hors-jeu. Un corner, trois corners pour eux, ok. 66, 83, non, 83 de précision tir. 79 à 82. Ouais, c'est bon. Ou 79 à 82, comme vous voulez. Si vous êtes suisse ou belge. Enfin, je crois que les Belges ils disent comme ça. Oh, tire ça fou. Ah non. Voilà. Youkabou. Bu. Bu. Oh, putain, moi je ne sais pas vraiment dire les noms des joueurs. Vraiment désolé. Ah, au fait, j'ai même pas fini ma phrase, il me semble. Avant que je marque le but, j'avais parlé de Michael Jordan. Par exemple, il y a des gens qui aiment Michael Jordan, et puis moi j'aime. À moins que j'avais fini cette phrase, mais je sais même plus. À moins que, moi j'aime par exemple Messi. Ça n'a aucun rapport. Hein.
Mais bon, le basket et moi, il y a juste. Bon, j'ai même oublié les noms. Eagle. Il y a juste le Kobe Bryant des Lakers que j'aime bien. Pas très ralenti. Ouais, il y a juste Kobe des Lakers que j'aime bien. Ou sinon, il y a. Ah oui, j'aime aussi Michael Jordan, mais bon. Oui, il y a beaucoup de lag. Ou bien il y a le joueur chinois, Jeremy Lin. Et puis. Ah non, j'ai oublié son nom. Le mec qui faisait 2 mètres de haut. Yao Ming, voilà. Yao Ming, je trouvais qu'il était pas mal, mais bon. Maintenant qu'il a arrêté! Prends-toi ça, fumier! 58e minute, Conca, yeah! Motherfucker! Ouais, ça me tentait de le mettre. Celui-là. Regardez ce but! Tellement merdique! Je suis face au goal, je tire. Et le gardien, c'était une sale merde. 3-1, tiens, tiens, tiens! Ils ferment leur gueule, hein, Orlando. Tiens! J'espère qu'il n'y a aucun supporter pour cette équipe qui regarde ma vidéo. D'ailleurs, je ne sais même pas où c'est, quoi, cette équipe. Le Guangzhou, je sais où c'est. C'est à Canton, en Chine. Vous allez vous dire, oh, j'ai l'air bien renseigné. Eh ben oui, je me suis renseigné, hein, vous savez. À Canton, tout près de Hong Kong. Hong Kong, d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui disent que la Chine ne pourront jamais contrôler totalement Hong Kong, et moi je dis que oui, ils peuvent. Pourquoi pas? Les Chinois ont fait plein de choses bien. Enfin, non, ils ont accompli plein de choses, alors pourquoi pas contrôler Hong Kong? Ça va pas être trop dur encore. Enfin, oui et non, parce que Hong Kong est assez spécialisé pour son port. Non, pas son port, l'animal, son port, PORT, hein. Je sais pas si vous avez compris, puisque pendant l'ère victorienne, ça appartenait à la Chine, il y avait quand même un cercle. Il passait par l'Inde, pour le commerce en Asie, l'Inde, puis ensuite en Malaisie. Puis ensuite, après, ils viennent à Hong Kong. En Malaisie, à la ville de je ne sais plus quoi. Melaka, un truc comme ça. Désolé si je le prononce mal pour vous qui habitez en Malaisie ou qui venez de la Malaisie et qui parlent. D'ailleurs, en Malaisie, on parle la langue de Malaisie, quoi. Et aussi le chinois, non? Oui, je me renseigne aussi sur ça. Ouais, la Malaisie. C'est un très beau pays. J'ai aussi l'air renseigné, mais non, j'y suis déjà allé en Malaisie. Très beau pays. Vraiment très beau. Surtout les tours jumelles de Kuala Lumpur. Là, c'est parfait, franchement. On dit qu'aux États-Unis, il y a les tours jumelles, mais là, c'est vraiment des tours jumelles, je trouve. Plus jumelles que ceux des États-Unis. Si vous voyez pas de quoi je parle, ben, renseignez-vous. Mettez Petronas Twin Towers, un truc comme ça. Et puis vous trouvez Petronas. Je sais pas si je dis des conneries. TWINGTOWERS. Un truc comme ça. Mon anglais n'est pas très perfectionné. Non, non. Qui est pas parfait, on va dire. Bref, quoi, il est nul. Il est à chier, mon anglais, si vous préférez. Ouh, tiens ça. Ça fait mieux. Ou Shenji, hein?
Oh, mais c'est pas drôle, hein, de se moquer d'une personne qui n'arrive pas à prononcer les noms des supporters. Des joueurs. Non, parce que les supporters, il y en a tellement. Hein. Tiens. Conca, ça c'est le plus facile, je trouve. Oh putain. Jali, hein, qui a la balle. Si je le prononce bien, toujours, parce que je doute souvent de moi. Des fois c'est juste, des fois non. Oh non, j'ai pas réussi. Prends ça fumier, merde. Prends ça fumier, toujours pas. Ah, mais il va me niquer ce mec. Désolé, hein, pour les insultes. Heureusement qu'il s'est pas tiré, enfin, oui et non. Heureusement que j'ai un gardien plutôt. Ah, c'est à 90e minute! Oh, il y a le gardien qui fait la folie, putain. J'aurais dû pro. Mince. Non! Bon gardien! Young, Yoon, Palao, Genji, Zen, Vian, comme vous voulez. Un contre favorable à moi. Bref, Muriki, Muriki, comme vous voulez aussi. Tiens, ça fumier! Non, mais putain, arbitre! Cet arbitre, c'est un enculé! Oh, va te faire foutre. Désolé pour les insultes, hein. Et voilà, fin du match. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine, si vous le voulez. Enfin, non, si je le veux. Ben, ouais, on va pas tarder là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à regarder mes deux autres vidéos. Oh, et puis au revoir.